Tout le monde, c'est Bludis. Alors, on se retrouve pour la présentation de Pâques, donc je vais direct attaquer. Donc, l'épisode 1, ça vous a plu, donc je continue. Hein. Après, c'est exactement les mêmes blocs que le premier, parce que bah, c'est tous les mêmes en PP à peu près. Parce qu'ils sont vachement stylés, je trouve. Donc, voilà, on va commencer par le diamant direct, tac. Donc, voilà, ouais, ça donne comme ça pour les petits PC, c'est parfait. Parce qu'elles font moins laguer que les autres, je crois bien. Parce qu'il y a moins de textures, du coup, moins de pixels et tout ça. Voilà. Je monte ça vite fait, tac. Et pour finir l'onyx, voilà. Pareil, hein, les mêmes minerais, parce que j'hésitais, mais j'ai fait exactement pareil, parce que bah, c'est les mêmes textures, donc il n'y a pas d'autres trucs, et puis même je trouve ça bien. Dites si vous aimez pas, au pire, vous pourrez modifier vous. Donc voilà les épées maintenant. Donc en fait, à la base, toute l'épée elle était rouge et rouge foncé. Et j'ai décidé de le mettre le bout en noir, c'est plus stylé. Du coup voilà, j'ai fait ça. Donc à la base c'est comme ça et j'ai tout pour le raid. Donc en émeraude c'est comme ça, en rubis, en saphir et en onyx. Tac. On va attaquer. Non, pas ça en premier. On va attaquer ça. Donc les arcs avec les particules en soupe. C'est un soup skid. C'est le soup skid de Simpy que j'ai un peu édité. Du coup voilà. Les cannes à pêche. Hein. Donc voilà, les particules à potion, donc ceci c'est pas les mêmes. Je les trouve normales quoi. Comme d'hab, l'Ender Pearl ressemble à un champignon. Bah ouais, c'est le but en fait. Je vais pas vous montrer le briquet parce que j'ai failli brûler toute la map la dernière fois. Sans le faire exprès. Donc voilà les items différents, je vais vous montrer ça maintenant. Hop, la bouffe. Tac. On va se clear. Il fait que j'enchante une épée parce que la dernière fois, quand j'ai fait un essai, je l'ai supprimé sans faire exprès. Smite 1. Désolé pour un peu de temps, mais il me faut une sharpness pour bien vous montrer. Putain, bon, ça va me saouler. Et dernier essai, sinon bah. Ouais, fire respect 1, ça va me saouler. On va faire slash game mode. Tac. Tac, on va prendre plein plein d'épées, tac, voilà, on s'en fout. Voilà, parfait. Donc, non, je vais pas me prendre en game mode, sinon ça la retirer. Donc voilà, l'épée en bois. La dernière fois, j'ai oublié de montrer le ciel. Donc, le jour, c'est comme ça. C'est beau. Et la nuit, je trouve ça magnifique. Avec les étoiles et ça. Perso, je trouve la nuit, c'est plus stylé en Minecraft que le jour. Donc voilà. Donc, ce coup-ci, je vais éviter de sauter. Tac. Je vais attendre que le jump finisse pour vous montrer. Ok, donc c'est parfait. Donc nos particules, nos crits. Nos crits. En crit, je veux dire. C'est comme ça. Attendez, je vais voler. Voilà, donc c'est des soupes. Et en sharpness, c'est avec des étoiles noires. Tac. Ça donne comme ça. Voilà. Bon, après, voilà. Hein, sur les mêmes. Je vous montrerai vite fait l'eau. Moi j'ai pas mis de la transparence mais c'est comme ça. Tac, et la lave. Ça fait des flammes bleues, je trouve ça super. Bref, j'espère que ce pack vous plaira. Donc j'essaye de varier les pixels et tout ça en fonction des trucs. Parce qu'il y a des petits PC du coup bah je pense à eux tout ça. Donc le prochain normalement ça sera un 32-32 ou un 16-16, je sais pas. J'ai déjà tout rec en vanilla mais. Je sais pas dans quel ordre je vais mettre ça. Bref, j'espère que ça vous aura plu. À la prochaine.